Depuis le début de la semaine, les Nigérians font la queue pendant des heures pour acheter du carburant dans les grandes villes, alors que ce pays d'Afrique de l'Ouest est confronté à une pénurie de carburant. En plus d'accroître les difficultés pour des millions de Nigérians déjà en proie à la crise économique, cette situation a engendré une augmentation des coûts de transport. Le Nigeria est confronté à une pénurie de carburant, entraînant une hausse du prix de l'essence jusqu'à 900 naira dans certaines régions. Les négociants en produits pétroliers affirment qu'il faudra jusqu'à 2 semaines pour que la situation se normalise, tandis que la compagnie pétrolière nationale affirme qu'elle dispose de stocks suffisants pour répondre aux besoins de la population. Le gouvernement lui affirme avoir entamé un approvisionnement d'urgence en carburant pendant 15 jours. Les citoyens espèrent une amélioration grâce à ces mesures.